Évidemment, oui, ça n'a pas Je lieu suggère que d'exister nous sans une placions le matériale. PC plutôt au sol, du coup. Oui. Au sol? L'idée était bonne au départ, mais... Il va me falloir du bois. Pas tant que ça de bois. Normalement, t'as tout récupéré? Non, ça me donne pas toutes les ressources. Quand t'as détruit le Mais ceux qui PC? sont dans les coffres, ceux qui sont dans les coffres, bah il était déjà endommagé en fait, du coup il me donne pas toutes les ressources. Ah, bah viens par terre là, t'en as plein. Viens voir ici, viens où je suis. Où tu es? Normalement j'ai tout ce qu'il faut, il faut juste que je rebuilde la boîte à pales. Je la mets où? Bah, je sais pas, ici là. Boîte de... À côté de la boîte de... Ah! T'es devant. Je peux pas la placer. Genre là. Comme ça. C'est pas super centré. Ouais. Oh bah on s'est fait défoncer le cul. Ouais bah Ouais, écoute, de c'est temps en aussi le temps cas ça de le fait pas de dire. mal. Alors. Alors, j'aurais pas dit ça, mais ok. Hop, hop, hop. On redéploie ceux qui sont vivants et le reste. Bah, le reste va régénérer plus de 3 minutes. Bah yes, il manque un Oh, il est... minerai. Oh, comment il est énorme. Qu'est-ce qui est... What the fuck? Ah oui. Ça? Bah, c'est le truc qu'on avait récupéré dans l'eau. Ah, c'est la monture aquatique là? Ouais. Ah! Gigantesque. En plus, c'était un boss. Mais... T'as les boss, Y'a hein, mais encore un bon, truc? encore plus grand quoi. Y'a encore un truc qui brûle là? Ah, c'est moi. Hein? C'est juste moi qui brûle. Du coup, attends, là il y a des ressources par terre, mais je sais pas ce qu'il y avait de build ici. Et je pense pas que j'ai la tech. Là. Manque les ranchs. Le ranch a été détruit et les fermes aussi. Ah, on va les refaire. Hein. Je pense pas que ce soit la pire des pertes. Non, c'est juste. Oh, Je pense que attends, deux fermes mais c'était pas si mal. c'est quoi les fortifications en bois du coup? Tu vois à quoi ça On va ressemble? les faire directement. De la tech. Ouais. J'avais lancé du ciment. On peut faire aussi des pièges. Oui. Bon, je vais build. Faut d'abord que je repose ça là-haut et je vais build. Notre base elle est un peu plus décalée que avant. Ah, ça peut... Théoriquement, Si en non, la vrai. base en fait deux. Oh, le problème c'est que ça c'est. Ça, c'est quoi? Viens, venez voir. Pas ouf. Je vais mettre plein de moutons pour construire. Bon, c'est pas grave, Ça ou c'est ça pas ou gênant, ça. c'est pas gênant, c'est pas gênant. À court terme, c'est pas gênant, Et on le changera après. qu'est-ce qui fonctionne pas? Je comprends pas. Bah, regarde la mine Ouais, ils sont à la Ouais, limite, tu vois, sans quoi. la limite, du coup, on va pas mettre le mur. Si, bah on les redécalera après, ça Oui, on c'est les mon boulot, redécalera. c'est pas trop. Bon, alors ça ressemble à quoi du coup? Si tu peux nous poser une fortification, qu'on voit à quoi ça ressemble. Ouais, est-ce que j'ai des ressources qui... Ah, Ah, la marmite, t'es chier. y a un camp là-bas. Ah, mais j'ai le lit de qualité, tiens. Si on part, je l'ai fait. Nourriture. Merde, ben j'ai pas la marmite. Bah alors. Marmite, 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 marmite. Regardez, je les pose. Là, marmite, débloqué. Ah, du coup, j'ai des milliards de moutons qui m'empêchent de construire, d'accord. Ça y est, Qu'est-ce qui pas me débloqué fait je encore. vais construire? Pourquoi je peux pas build? En taille. Pourquoi je ne peux pas build? À cause de quoi? En taille en. Oh oui, c'est des fat walls, hein. Sacré, assez gros but, hein. En bas.
c'est vous. J'ai récupéré une bristola. Ah le chat, pousse-toi de ma souris, bordel. Bouge-le. Hey, bouge. Allez, bougez de là les moutons, vous faites chier. Voilà. Je peux passer. C'est pourtant lui qui voulait montrer tout son amour qu'il avait pour toi. Ah ouais, mais il me gêne. Saloperie de mouton. Pourquoi ça marche pas? Ah la caisse à bouffe. On va pouvoir faire un cercle complet, mais il y aura au moins un tiers, je dirais, de la base qui sera. Ok, et bon. Après, au pire, ça permet de les canaliser peut-être. Ouais. C'est... On mettra des pièges. Bah, de toute façon, vu le pathfinding, vaut mieux toujours mettre un endroit où ils peuvent passer. J'ai mis un portail là, mais en vrai, peut-être qu'on pourrait ne pas mettre des portails. Hein. Voilà, tu fais un trou dans la muraille et tu blindes de pièges à l'endroit où ils passent. Pire, c'est tu fais un chemin qui sort, un trajet où ils sont obligés de suivre. C'est ça, bah comme un pot de tower défense quoi. Regarde, oui. Et tu mets. Là, on va faire genre deux entrées, je pense. On en fait une de ce côté-là, une de l'autre côté. Et on met en blinde de pièges. Ça me va. Surtout, j'ai l'impression que les pièges coûtent pas grand-chose. Ah, il y en a de plus. Par contre, je sais pas s'ils sont usage unique. On verra bien là pour le coup. Hein. Il faudra signer. Au ferme. Je suis pas dans le. Oh ah ouais, alors vous savez quoi? La penderie ancienne a plus de stockage qu'un coffre en fer. C'est pour habiller les certaines personnes, donc oui, pas mal. Qu'est-ce qui me bouffe autant de place? Allez. Ah, j'ai 42 ciments. Amène, j'en ai besoin pour faire des murs. Bah, c'est dans les stockages, normalement tu les as. Je crois qu'on avait un camp d'ennemis. Ouais, le camp, je viens de le nettoyer. Il vient d'apparaître. Attends, il disparaît après ? Faut croire que là. Bah, au moins, on sait qu'il apparaît, mais qu'il disparaît, je sais pas. Ah ouais, ça fait très grosse forteresse. Hein. La vache. Wow. Tu peux te pousser. Oh ouais. Et du coup ça s'ouvre comment? Ouvrir. On les gardera pas les portages. Super chiant à aligner. Mais t'as pas des tours aussi, genre des tourelles? Il y a des sacs de sable avec une arbalète et plus tard on aura un sac de sable avec des mitrailleuses. Ah ouais. L'arbalète, je sais pas ce que ça vaut, mais je pense que les mitrailleuses on pourra les mettre. On va partir sur 3 entrées. J'ai mis un piège devant. Pas comment ça marche, mais je prends. J'imagine que si. Je pense aussi, parce qu'il y a un contrepoids. L'alignement n'est pas parfait. Hein. En vrai, ce sont des murs. Faut leur virer la carrière. Si je peux pas par passer, contre. Ça veut dire que personne ne peut passer. Attends, je peux l'enlever. Enfin, ouais, ok. Hop. Et là,
je vais reposer un peu plus loin. Production. Production, je veux carrière. Une carrière ici. Voilà. Une scierie. Oh non, ça rentre pas. Lag. Ça rentre pas. Hein. Ah. Ah merde. Ou alors on augmente la taille d'une entrée et on refait un mur du coup. Et du coup, il faut que tu délètes tes murs et que tu en refasses quoi. Tu sais, je vais faire ça, virer ça et ce sera une entrée ici. La okay. Carrière, on va la mettre juste à côté. Enfin, il y a une caisse juste là en plus. Et ça outil ? Ouais, ça donne un bonus. Sur ouais, le craft, là, du coup. Sur le camp. Oui, sur ouais, le camp et c'est sur le craft. Fait dans le c'est camp. Pour le craft. T'as la souche d'armes pour le bois et t'as la dragon de mine. Ouais. Tu lui dis, hein, c'est marrant, on va le faire. T'as vu le superbe piège que j'ai mis? Du coup, attends, je me demande. Il est très discret, je trouve. Attends, je pense que je vais pouvoir si, faire la si base. Si on décide de pas mettre de portail comme ça, je pense qu'il vaut mieux les faire un peu plus petit. Oui. Oui. Pour être sûr et certain. Juste comme ça, je pense. Ça pour les canaliser. Tu peux pas mettre genre même des, tu sais, des dans l'autre sens perpendiculaire pour limiter même le passage encore plus. Les canaliser. Ah comme ça là. Ouais. Les obliger à suivre vraiment qu'un chemin. Ça. Ah. Ouais sauf que sur les côtés pour justement. Ouais. Mais là pourquoi que ça peut être marrant ça. The liberty of choice. Right of left or left. You will end up the same. Ouais, c'est pas mal comme ça, j'aime bien. Yes. On mettra des mitrailleuses et tout après. C'est ça. Mais on pourra peut-être les mettre en hauteur d'ailleurs, ce serait peut-être marrant. Je sais pas si ça marchera. En tout cas, on peut faire des avant-postes. Hein. Genre, tu mets un piqué avec une base, et puis au-dessus, tu mets la mitrailleuse. Enfin. Bref. Ouais, non, mais on va. Oh non, c'est pas mal. Faut que je remette les pales que j'avais mis en soin. Ok, j'enlève les moutes-moutes. Oh, ils avaient été mis pour dépanner. Hein. Non, laisse les moutes-moutes, on en a besoin des moutes-moutes, on a besoin de laine encore. Ah, ok, ok. Bah, comment je vous give les pales? Quelqu'un peut rentrer des pales pour que je remette des pales que j'ai récupérées? On s'en fout, tu les balances dans ta base, dans ton stock. Ouais, mais je préfère que vous les ayez vous, enfin genre. Bref. Oh, c'est quoi le fouac? Le fois que j'ai juste tenté pour, pour éteindre le feu. Ok, je swap alors. Les petits chats, je suis pas sûr qu'ils soient indispensables. Ok. Une vache, okay. Une vache. J'en ai qu'une. Bah ben ouais, c'est celle de la base. Attends, je vais voir s'il m'en reste des vaches. Je crois qu'on avait deux vaches. Deux vaches. Et l'abeille aussi, tu as déjà remise l'abeille? L'abeille elle est déjà remise. Mais j'ai qu'une vache. Il y en a une sur le camp déjà. Tu vas voir la deuxième. Je sais pas qui a la deuxième, non j'ai pas la deuxième. Sur certains je l'ai pas. J'ai regardé dans toute ma boîte, je l'ai pas. Le renard c'est bon. Par contre c'est très drôle hein, le bazooka pingouin. Ah ouais ouais c'est marrant hein. Et sur un gros pack d'ennemis, ça marche. On a un premier gâteau là.
Est-ce que quelqu'un a un Pokémon qui serait niveau 2 en feu? 2 en feu, Nai. Je sais pas. On a le Arsoc, mais ils sont pas de l'autre côté à faire fond. Bon, je te dis non, viens pas là. Ah. Tiens. Non, attends, je vais mettre le Creamy. Le gros Creamy, il produit plus vite. Et le Gigapouletto aussi. Trop drôle, la Gigapoule. J'ai lancé deux trucs dans l'eau de base, une matraque et une selle pour Azo Rob. Pour tester. Elle est trop drôle, la Gigapoule. Ouais. Elle va nous produire des œufs à la chaîne, tu vois. Ah, y'a un Giga Creamy aussi. Ouais. Ouais. Ouais, il va nous faire de la laine là, on a besoin. On a plus que. Enfin, il nous manque 3 lits là, y'a 3 lits qui ont perdu. Le Creamy, on l'a eu il y a longtemps. Merde, j'ai un peu foiré mon mur là. Alors. Ah, j'ai des graines de blé, tiens. Oui, en parlant de graines de blé, oui, voilà. On va refaire notre expédition pour de vrai. Ouais, il faudrait qu'on en ait 3 pour faire un. J'en ai 3. Ici, on a besoin de farine. J'en ai 3. Bah écoute, tu as plus que. Le broyeur. Un pour faire de la farine pour. Yep. Tu l'as remis le Rubin Queen? Le quoi? Le truc, le gros machin vert. J'aurais pas dû faire ça. Ça me dit rien du tout. Non, non, c'est bon, t'inquiète, il est là, il est là. J'ai fait une bêtise. Et chance, c'est quel niveau ça par contre? C'est intermédiaire, moi je l'ai aussi. Je vais dire ça tout de suite. Champ de blé, champ de blé. Ah bah si tu as pas la tech, si tu donne-moi les ressources, je le fais. Hein. C'est 15 pour le champ de blé. Pas les ressources, sinon je le fais. Hein, non, moi, ça me permet de le faire, t'inquiète. Des points, j'en ai 53. Ouais. Par contre, ah oui, t'as vu qu'il y a les plateformes de surveillance. Alors, les plateformes de surveillance, c'est pour changer comment les pales travaillent, de manière ouais. Générale. Ah. Et je trouve que c'est pas si utile. Ouais, mais je pensais pas à ça, moi. Je pensais à un truc de surveillance pour. Ah, Naï. Par contre, ce que tu peux mettre, c'est une cloche. Une alarme. Ah oui. Ça force les pales à soit travailler, soit attaquer. Ça en priorité. Ça, comme ça. J'ai envie de tester l'arbalète montée. Alors, par contre, munitions illimitées sur l'arbalète montée ou pas? Idée. Tac tac. Je la mets juste là, on va voir ce que ça donne. J'en mets une à chaque entrée. On les remplacera pas des mitrailleuses quand on les. Bon, je vais aller chercher des niveaux. En tout cas, on peut pas la toucher donc. Ah non, c'est. On peut juste assigner un. Ah, c'est un pal. Bon, bah, ça doit être munitions illimitées. Bah, si on n'a pas de coffre dedans pour mettre des carreaux. C'est ça. Faut mettre un haut niveau des fois que. Ouais. Des fois que ça sera attaché au niveau. Ça produit de la laine déjà là. Par contre, je conseille très fortement de faire le méga bouclier. Hein. Ouais, d'ailleurs, à ce propos, je crois que j'ai déjà débloqué. Je ne dis pas de bêtises. Genre, t'es à 240 d'armure régénérative, c'est pas négligeable. Ah oui, parce que moi j'ai que le bouclier normal. Là, ça ouais, moi aussi. Attends, je. Ouais, méga bouclier, je l'ai dit.
Quelqu'un peut me le faire du coup. Mais par contre, la matraque électrique elle a l'air d'être buggée dans l'autre base. Hein. J'arrive pas à la build. Hein. Je l'ai, je la testerai. C'est juste un skill issue. Hein. C'est juste un skill issue. J'aurais besoin de tissu pour réparer mon armure. Ouais, bah c'est la pénurie de tissu. Je réquisitionne tout le tissu pour faire des lits. Oh, je vais me servir pour en prendre deux. Bonne chance parce qu'il y en a plus du tout. Quelle honte. Je récupère la laine. Après, si tu veux, tu peux faire comme moi, hein. Tu fais un massacre de. Ah, ouais, de moutons au tout début. Hein. Ça risque de se passer comme ça. Je vais tester la matraque. Ah merde, j'ai plus de bouffe! Venez, venez, petit mouton! Ok, je suis passé au niveau 19. Next. Allez. Voilà. On va les nôtres après. Voilà. Par terre. Et bien sûr, quand je trouve pas de cherche, je cherche des moutons, il y en a pas. Évidemment. Sinon, c'est pas drôle. C'est la base. Forteresse là, quand même. À l'abri. Et ramenez-vous. Ah. Ouais, la matraque en fait, ça les stun comme avec le pet électrique. Soit pas. Moi je t'avoue j'en ai jamais utilisé, désolé. Oh, mais... Jamais... Hey, j'ai déjà dit de pas venir là. Viens là si tu veux. Aussi à côté de moi, mais tu ne t'aideras pas. Et en plus t'as des feuilles qui ça fait matelas. Très bien. Eh, hey, viens pas sur le clavier non plus. On voit qu'il est obéissant. Ah, il a besoin d'amour. Il est dissident. On a des graines, mon prof fait un champ. Bien fait une alarme du coup. Non. Dans l'autre cas on s'en fout parce qu'il est un peu hors d'atteinte. Les ennemis volants qui peuvent l'atteindre. Là ça peut être... J'imagine c'est ça qui sert à les... À leur force dire... Attaque, de... force, ouais. À leur dire qu'ils doivent rejoindre les arbalètes. Tout. Oh putain, je viens de balancer une Pokéball verte. Pour rassurer, tu donnes déjà, t'as déjà pris la tienne ou pas? De quoi? Non. Ah, je te la laisse du coup. Moi j'ai le pet donc c'est pour ça. Ouais, moi, moi je l'ai aussi mais. Ah. J'avais pas que tu l'avais fait. Finis juste cette. Finis ce passage de mob et go. On va ramasser tout cela.
Merde, on a des balles pour blessées. Pour notre ancienne base, ça fait bizarre. Pas grand chose. C'est ça. Alors lui, il a une entorse et. Il a des maux d'estomac. Y'a des médocs quelque part? Coffre métal. Merde, les maux d'estomac ça marche pas. Mais il a dit dans le niveau 2. Et voilà. J'en ai jamais produit moi-même des médocs. Juste fait la tech, enfin la table une fois pour passer le niveau là, mais enfin, je vois pas l'intérêt. Bah justement enlever les maladies quoi. Ouais mais enfin t'en chopes sur les bestioles sauvages donc. T'en chopes sur les bestioles sauvages. Ouais enfin t'en as un droit. Sinon des. T'as aussi des. Sûrement sur les humains aussi. Ouais des humains. Oui qui... sur les humains ouais, très certainement. De prince contre l'attaque des pales type herbe lorsqu'il est j'ai des mis balader un petit boss je vais juste réparer mon armure et ouais dans le même au reste du bar où il y a le bouchis bon, on va se faire un petit tour de boss. Ouais, bon, on va sur le Bushi, puis on va sur le bon Chiri à quoi ? À l'ouest. Est-ce que vous avez le domaine du grand épéiste ? Domaine du grand épéiste ? À l'ouest. Ouest. J'ai ouais, le des lac chevaliers avait... jumeaux. Ah non, domaine de l'oiseau de glace. Non, à l'ouest, plus à l'ouest. Tu vois le lac où il y avait l'Azurobe ? Non, je le vois pas justement. Bah, tu vois la forêt rouge ? Ouais. Église désaffectée, tu vois? Ouais, je vois, mais je peux pas m'y TP. Au nord, mais je vois. Au nord-ouest, t'as le pont des chevaliers jumeaux. Je l'ai. Encore plus à l'ouest, t'as le lac avec l'Azurobe. Et encore plus à l'ouest, t'as l'entrée. Là, je vois plus rien. Ok, bah viens au pont des chevaliers jumeaux. Non. Ok, bah il va falloir que j'aille prendre quelque chose au PC du coup. Je suis loin d'un TP là. Non, à gauche. En balle pour ramasser de la laine et de la viande. Voilà. Oh mais il y a un bouquin ici. Un bouquin? Ouais, il y a des journaux à ramasser. Ah oui, dans ce... ouais. Ah ça me fait penser. La lanterne de taille, je l'ai débloquée. À faire. Pas la tuer. J'adore leur cri. Je vais me faire la Zurobe en attendant de réveiller. Moi j'ai le TP. Ah, j'ai presque plus de Pokéball bleu, tiens. Pour lancer une prod de. Là, ça va être compliqué. Il faut juste d'abord que je revienne. Quelqu'un qui est à la base. Ouais, mais je suis pas. Enfin, moi, je suis à côté de toi, pas loin. En tout cas, pas loin.
Ah, rentre dans la Pokéball. Rentre dans la Pokéball. Tu veux dire quoi? Une truc de merde. Ça qui est le plus. Ça qui est le plus frustrant, c'est que tu utilises des Pokéballs de merde, ça rentre pas et le mec. Un Pokémon de merde quoi. Voilà. Ok, je me casse. Bon, prenons des pales qui vont me servir. Un fruit. Des pales de combat. T'as toujours pas de pales volantes toi d'ailleurs Skyroot? Non. Si là à l'instant. Je crois que j'ai capturé un Nightwing. Un oiseau quoi. Est-ce que j'ai la selle pour le Nightwing? Excellente question. Au pire, j'arrive en Nightwing hein, et je m'en bats les couilles. Hein. C'est pas très rapide. Hein. C'est pas trop grave. C'est pour ça que moi je m'en sers juste pour me déplacer sur les falaises et tout parce que. Clairement. Le cerf est beaucoup plus. Pas des grandes distances. Je veux pinguler, je veux mon brasiel. Peut-être un deuxième pingulier histoire de faire un autre tir de bazooka si jamais. Et sinon, prends des types variés comme ça, tu peux t'en servir dans les occasions. Comme dans Pokémon quoi. Non mais c'est vrai, hein, moi j'essaye, j'ai un feu, j'ai un eau, j'ai un. Et après j'ai deux normaux parce que bah c'est mon. Ça c'est un pingulier. J'avoue que j'ai plus du tout de d'orbe là maintenant. C'est buggé de cul, c'est un. Bah, faut lancer une prod. Non. Ah, allez, Dan. Il y a des vaches. Ah, c'est verrouillé. Est-ce que j'ai la tech ça? J'avais pas la tech. Et il faut énormément de tissu. D'accord. Quoi? Pour faire les, la selle du Nightwing. Ah oui oui. Et tu l'as pas déjà? Fils tu l'as pas déjà non. Hein. Non non je l'ai pas déjà. J'ai essayé de le ride et ça n'a pas voulu. Ouais non par contre j'ai la serre du. La selle du cerf. Ouais bah normal. On l'a vu. Qu'est-ce que quelqu'un peut lancer une prod de Pokéball verte bleu? Ouais, je suis en train de ramasser des trucs, mais ouais. Il y a un méga bouclier qui est là à la base du ranch. Ouais, c'est moi qui l'ai lancé. Il est prêt. Et puis on va en lancer un pour Monsieur Darfish. Ouais. Oui, c'est un peu l'heure de commencer aussi. Ok, je vais pouvoir faire ça. Voilà le boss du coup. Ah, je peux pas lancer les grands boucliers. J'ai, si tu veux, je peux le lancer. Bah, vas-y, oui. J'ai des bestioles, moi. Je veux de la recette, tac, lancer la prod, c'est fait. C'est le... Où est-ce qu'on a mis le truc pour les orbes?
Bah dans l'autre base du coup j'imagine. Bah il était cassé hein, la chaîne de prod. Ah. Ouais, ce qu'on a fait, ça a été cassé par le quand on a. Parce que ça coûte bien cher. C'est ouais, mais on a récupéré les ressources. Hein. Mais y a que toi qui a le plan. Ah oui ça. Et après oui. T'as toujours les établis d'en haut. Tu peux. Bah y en a pas de cette base. Non mais t'en as un dans l'autre base. On en a fait un dans l'autre. Parce que ça, vu que ça prend du métal. Autant laisser ça dans la base de métal. C'est un peu cher quand même. Hein. Ah, merde, je suis con quoi, je ne vois pas l'établi à bol. Je pense qu'on en a pas fait surtout. Pas fait l'établi à bol ? Non. Production. Après, sinon, tu peux aussi faire ça sur un établi normal. Hein. Oui, mais oui, des bleus, oui, mais pas des vertes. Ah ouais. Établi pour sphère, non c'est bon. Je ne le vois pas. Non, il y en a pas du tout. C'est dans les pales. C'est dans les pales, ok. Il me faut du bois. Il n'y a pas assez de bois ici. Amène-toi ! Arrête de t'enfuir ! Voilà, ça devrait être suffisant. Build établi pour ball. Dernier coup. Là. 20% de chance. Allez. Rentre dans la Pokéball. Let's go. Ok. Et tu veux des vertes? T'en veux combien? Tant qu'on. Merde, il faut du bois, ok. Je vais chercher du bois à mort. Elle dit sur. Bon. Dans les Pokéball. Quand je lui demande de rentrer dans la Pokéball, il rentre. Alors, je pense qu'on a trouvé la technique. Hein. Rentre dans la Pokéball. Et là, il touche dessus. J'avoue que ça me ferait tellement plaisir. Donc là, non. Non, mais ça marche en commande vocale en fait. C'est évident. Encore un vocal. Tu m'en diras tant. Oh, des braconniers ouais, niveau 20, let's go. Regarde. Arrête de lancer des grenades, toi. T'as pas utilisé une. Utilise des balles pour des braconniers niveau 1. 20. Quelle honte. 20. 2 et 0. Oh what. Entre niveau 19 et 21. 9 feuillus, let's go. Il a un fusil d'assaut lui. Dommage qu'il soit trop con pour tirer avec mais. Ce sont des stormtroopers aussi. Ça va être compliqué. J'ai vu aussi quelqu'un qui avait une épée. Genre une grosse épée à deux mains. Ah. Je sais pas comment on fait pour l'avoir. Plus loin peut-être. Ou alors c'est un patron spécial. Ouais, c'était un patron spécial. Ouais. D'ailleurs, faut qu'on regarde ce qu'on a parce que j'ai vu que les plans qu'on a de spéciaux là, ça permet de faire des armes qui sont pareilles mais en boosté. Genre t'as des niveaux légendaires et tout qui sont vachement meilleurs. Ouais. Mais faut voir si tu en as looté. Surtout ça. Ouais, faut qu'on regarde ce qu'on a dans les coffres. Je sais qu'on en a. Non, l'épée elle est là. C'est de la pierre. C'est niveau 44 hein, l'épée. Genre l'épée c'est le niveau. C'est deux niveaux après le fusil à pompe, c'est un niveau avant le fusil d'assaut.
Bah, j'imagine pas à quel point ça fait mal. Je t'ai mis on a du plus de bois. Pierre. Ouais, on a plus de pierre maintenant. C'est dans l'autre base. Lance missile monté. La dernière technologie, c'est lance missile. Genre à la place, tu sais, les arbalètes qu'on a posées là avec les sacs de sable. Pareil, sauf que t'as deux lance missiles à la place de l'arbalète. Ouais, c'est la bonne DCA, hein, mais qui fait bien bien mal. Unpad, ouais. Non, mais rentre dans la. Putain, je l'ai pas dit de rentrer dans la Pokéball, il est pas rentré. Rentre dans la Pokéball! Ah, je l'ai dit trop tard. Rentre dans la Pokéball! Je lance une prod de 54 lingots de fer là. Voilà, je lui ai dit de rentrer dans la Pokéball, il est rentré. Non, mais je pense que ça fonctionne. C'est comme le B-bas sur Game je Boy dis, Color. Ça scam, hein. Je dis, ça scam. Il faut tellement de tissu, c'est abusé. Où ça? Lequel? Parce que là, le du Bushi, coup, j'ai celui bien qui les est brancards. Au sud, là. Bushi au sud. Je peux nager dans l'eau, mais je trouve que ça apporte pas grand chose. Oui. Mais le truc qui est complètement débile, c'est que t'es sous l'eau. Hein? Tu te noies. Donc c'est lui. Tu devrais te noyer normalement. Ah oui, mais c'est là le jeu, tu es un peu bugué là-dessus. Et je trouve que c'est dommage, à part bon. Il a un canon qui est pas mal, ok. Par où tu es passé, Darfish? Par là? Non, c'est sud, plein sud. Tu vas. Ouais, bah tu prends sud-ouest, ouais. Tu fais une diagonale vraiment sud-ouest. Ah oui, du coup, je suis obligé de passer par là, d'accord. Tu vas avoir un autre point de TP et après tu comptes. Ouais, je suis obligé de passer par le pont, c'est ce que je voulais savoir. Ouais, ça va un peu plus vite. Non, c'est de l'autre le côté du pont. L'autre côté du pont. Oui, bah oui, oui, oui. Pas vers le. Si tu traverses le pont, t'es du mauvais côté. Ah merde. Ça va un peu plus vite que quand tu vas vers le ça va pas plus loin, quoi. Ah, j'aurais espéré que ça fasse une vraie. Il faut l'attaquer Typhus, au secours. On reste. Allez, rentre dans la Pokéball. Ah, ça a pas fonctionné. Ah, peut-être que ça marche pas à tous les coups. Hein. Il y a une question d'affinité, tu crois? Ouais. Pourquoi je l'aime pas, ce Pokéball? J'en ai récupéré deux, comme ça. Je m'étais dit que peut-être ça faisait plus de laine. Bah, je sais pas, c'est écrit pour un, donc... C'est juste moche alors. Peut-être pas. Ok, donc plein sud-ouest. Il y a un camp de bandits. Ouais, bah je l'ai nettoyé normalement. Un peu plus. Bah, il a bien respawn, on va dire. Ça y est, pas de problème, y a du monde. Hein. Si, et s'il y a un Pokémon sauvé, t'es content. Il y a un Pokémon sauvé. Dans le domaine du coup. You know what? Je vais descendre et je vais laisser le cerf faire ses merveilles. Pour moi, quand j'ai des combats comme ça où il y a plein de monde, je descends tout le temps. What the fuck? Wow, what the fuck? Attends, mais il me tire dessus au mortier en fait. La grenade? Ouais, je crois. Ou au mortier, enfin, je sais pas, ça explose en tout cas. Grenadier, t'as des grenades. T'as les mecs les plus petits niveaux, ils tirent au pistolet. Et des flingues et tout, et t'as des grenadiers après. Le dernier niveau, c'est des mecs qui sont, ils sont énormes et ils ont une Gatling. Ah ouais. Prends-toi un caillou dans la gueule! Petit lance-flamme là, ça va les réveiller.
Dans la Pokéball. Moi j'ai plus que 5 Pokéball, c'est assez terrible. J'en ai plus. J'en ai encore plein vu que je les craft donc. Oui, c'est fait. Alors oh. Hey, tu peux pas rentrer dans la Pokéball maintenant. Quoi? Oh, c'est le Pal Gatling. Trop fort. Pal Gatling. Ouais, c'est le... Comment ça s'appelle? Le petit... Ah, le petit écureuil, Limfunk. Ouais. Il fait de la Gatling. Non, c'est pas une Gatling, il a... un pistolet mitrailleur. Et sur ta tête. Gatling, c'est l'espèce de truc jaune qu'on voit dans les... comment dire, dans les vidéos. Le gros truc jaune et noir. Oui, le pâle jaune, ouais, je vois. Ah ouais, mais là, en ligne, je crois que c'est trop haut niveau pour... Ouais, je sais. Premier boss, là. Grisbolt. plus. Voilà maintenant au niveau 31. Et la source chaude de réputée. Il nous faut des stocks de pierres. Je vais peut-être crever en fait si je fais pas attention. Aïe. Oui. Merde, on peut faire le Pokéball. Oui, c'est ce que je disais, il manque des cailloux. Oh, une vache. C'est un peu le défaut de cette base, c'est qu'il n'y a pas de pierre à proximité. On va faire une carrière de pierre. Ouais, qu'est-ce qui nous empêche de faire un quart de pierre? Bah, les trois pales qui vont être consommées à faire de la pierre. Ouais, ils font pas de méta. Bravo. La troisième base. Ouais, faudrait faire la troisième base. Alors, du coup, j'ai débloqué quel spawn là? Entrée du ravin. Si j'ai bien compris, on fait un boss et on va devoir se quitter. Ouais, on va faire ça. Oh, un colporteur. Attends. Pas trop, la plus 3 quarts du temps, ils ont rien. Oui, mais pour des graines de blé, au moins, on en aura plein. On a 6, là. Dans deux champs. Drogue de lavage de cerveau, pardon. Quoi? Pardon? Je sais pas ce que c'est, ça coûte 10 000. Drogue de lavage de cerveau. Une graine communiste, quoi. Il y a du caillou par là. YOLO! Oh, un trésor. Non, bah écoute, il y a pas ce que je veux. Par contre, c'est dommage, j'ai la pluie d'acide et laser chercheur. En CT. Je vais mourir. Aïe. J'ai encore des braconniers tout à l'heure là. Ça dépend, t'es où? À côté de la base. Je suis proche d'un TP. J'ai abandonné. Il faut pas abandonner, Darfish. Non, mais j'étais un petit peu trop confiant dans mes capacités à planer avec mon. Surtout que t'as oublié qu'il fallait peut-être avoir du. De la stamina. De l'endurance. Et je l'ai vu, il avait plus rien dès le départ. Si, mais ça part super vite en fait.
qu'est-ce que c'est que ça? Oh, un dragon! Un wyvern! Ah oui, ouais, on a. Fais gaffe, c'est agressif! Bah, je. Alors, on va peut-être pas leur filer l'aggro, mais. Ah bah, d'accord, ok, je mets l'aggro. Après, tu penses que c'est bon, toi. Surtout si t'as ton pingouin. Tape sur l'eau, ton pingouin. Ténèbres, je crois, les wyverns. Viens là le pingouin. Putain, ils sont 3. Ouais, bah tout à l'heure j'étais en PLS parce que j'en avais 9 sur moi. 9, ah oui. Ouais, plus les. J'étais dans un camp de braconniers. Ah, et ça l'a tué. Ah, ça suscite ton pingouin, le lance-roquette. Ah oui. D'accord. Bref, tu t'en sers vraiment si t'as pas mieux à faire quoi. Ça va, j'en ai un deuxième. Il y a un arbre à fruits du démon ici. Flèche de feu. Plus acide. Re plus acide. Panda à capturer, j'ai que 2 pokéballs mais. Aïe 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 aïe, ça fait mal. Il y a un œuf là-bas. Allez petit renard. J'ai eu un dragon. Et deux autres, je pour ça, merde. Oh, il tape fort le panda. 1% de chance, let's go. J'ai trop de pokéball de toute façon. Non, j'ai une jaune, 1% de chance. Aïe aïe aïe, par qui, par quoi? Allez, 1%. J'ai un sweepage gigantesque. Attends, viens là, viens là, viens là. Boss? Je sais pas, mais il est très 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 gros. Il brille? Il fait du bruit? Non, il brille pas. Il fait pas le bruit. Oula, par contre, il a des éclats glaces. Ce qui est pas normal. Si, c'est normal, normalement. Ok, d'accord. Par contre, ils sont beaucoup. That's maybe a bad idea. Oh, j'ai un énorme œuf. Énorme? Ouais, énorme, c'est des gros bons Pokémon dedans. Ah. Ah, ça fait beaucoup là. Messieurs, doucement. J'aime pas trop se faire gang bang. Ok, j'ai eu le gros gros sweep. Hein. Et les autres, bah vu que c'est de. Bien sûr, c'est pas juste un sweep anormal, juste avec des sweeps. Ah ouais, c'est juste avec des sweets, d'accord. Un sweep pas normal en fait. Y'en a. D'ailleurs, je crois que le sweep pass c'est le Pokémon qui peut avoir la plus haute stat du jeu. C'est une espèce de truc. Ouais, les grosses boules de poils poilus là. De poils pas poilus. Ah, tu as compris. Voilà. En fait, son talent c'est. Il gagne des stats pour chaque sweep dans ton écran. Les Sui, leur talent c'est ils boostent les stats des Sui pas dans le temps. Oh. En fait, sinon j'ai eu de la laine du coup. T'en prends un Sui pas dans ton équipe et plein de Sui dans ton équipe. Et, bah tu te retrouves avec un machin qui tape super fort. Sympa. Il y a vraiment pas mal de strats quand même. Oh, il est pas si moche que ça, je trouve. Oh non, moi je trouve que c'est plutôt cute comme serpillière. Et vous voulez faire quel boss du coup? Bushi. Le Bushi, c'est où ça? Le. Non, là c'est l'Azura, Bushi c'est en dessous, ok. Tu l'as trouvé, c'est bon? Je vais juste lancer des Pokéballs parce que ce serait bien d'avoir une chance de le capturer. Ok, domaine du grand épéiste. Un endroit. Il y en a qui sont lancés, hein. Et je viens de récupérer une Wyrm. Oui, 27. Elle a des stats de. Le domaine du grand épice, tu veux qu'on aille? Ouais. Je vais pas, mais je suis pas loin.
J'ai eu une grenade à fragmentation. Quoi? Où est-ce que j'ai looté ça? Où est-ce que j'ai looté ça? Sûrement looté ça sur un braconnier qui était un peu au niveau. Oui, ça me paraît logique. Je vois pas où ça pourrait être autrement. Le score du match là? Oh, 2-1. Ouh, ça a l'air bien ça. Ah, c'est... Bah GG Rennes hein. Après Rennes a un bon effectif hein, donc Ouais bah ça y est, est-ce qu'on a fait un... La 9ème. Le Lens et Marseille et Reims. Ça fait beaucoup. C'est la première qui est pas accessible en fait, après le reste tout est possible. Ah, c'est vrai que Nice ils étaient super bien partis, là ça va moins bien. On est à 10 points de Nice. La plupart des clubs de France à part Paris, ils ont pas l'effectif en fait pour faire l'année complète quoi. Ouais, tout en jouant en Coupe d'Europe en même temps. Bon, surtout ça, qui est-ce qui a besoin de Pokéball? Parce que j'en ai du coup. Ouais. Non. Alors j'ai 36 mégasphères. Je vais pas en utiliser donc j'ai drop. Et j'ai 48 bleus, je pense que je vais garder les bleus le temps. Et une bleue et 8 vertes. Ah, une bleue? Oui, non, bah, je t'en donne au moins 24. Non, je te rejoins. J'ai tout pris. Bruh. Je sais pas, je lui passerai des verts. Ok. Ah non, mais les verts, je sais que je les utilise pas donc. De toute façon, les bleus contre un boss normal. Je pense que les bleus, toi, tu vas plus les utiliser, Darfish, vu que c'était bon. Hop. Je t'en jette la moitié. 26, mais. Bah, allons-y. Let's go. Il y a du add. Non, il y a pas de add. Ok. Attaque! À l'attaque! Quand tu fais 2 dégâts! Je fais rien du tout. Et tu tires Ah, mais tu tires à l'arc, t'as pas une arbalète? Non, j'ai pris l'arc triple, je préfère l'arc triple. Ouais, mais frère, c'est bien, tu fais moins de dégâts pour les petits. C'est la classe quoi, voilà. T'as vos Pokémon? J'ai fait. Alors j'ai rien de tirer dessus. Raté, hein. Je lui fais 4 dégâts par 4 dégâts donc je peux lui rater si jamais. Je peux la stun en fait, je la stun là. Ouais, quand il est en état de statique, tu peux pas le capturer. C'est un bonus hein. Et attends, on peut le descendre pour sa vie là. 4%. Pas trop. 5%. Là, c'est mieux. Mais à mon avis, on peut encore lui descendre un peu. Attention, 40, 37, 28. Faut arrêter là. Dernier coup. Je peux encore lui mettre des coups. Vas-y. 19. On l'a coupé, c'est pas dans un coin. 4%. Faire le life en fait. J'ai 14. 14. Mais elle est à l'étage. Oh waouh, what the fuck. Où? Je sais pas, il s'est TP sur moi. T'as moyen de lui balancer encore un coup de malade de batraque ou pas? Oui. Ouh. 9, 8, 7. 6, 5, 9, 4. 4. Non, j'arrête. Parce que imagine tu fais un critique. Ah, 49. C'est bon. Let's go. Yay. GG. Mec. Bon bah c'est bien pour ça. Perfecto.